Salut tout le monde! Ici Doudou, et alors aujourd'hui, il y avait encore quelques... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une agression en cours là ou... Je comprends pas de quoi il parle. Oui, je disais, il y a encore quelques coffres que je voudrais choper. Eh, mais je suis jamais venu ici. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Have you come up with your character for a pen and paper evening already? Yeah, I guess I'm going to be an Amazon warrior for Mario Scams. Who tries to find her last tribe? Sounds great. What's the name of your character? I didn't come up with a good name yet. I'm really not good with naming my characters. Oh, hello. I guess you heard all that. Do you have a suggestion for my character's name? Leah, the Amazon Royal. Yeah, I guess that sounds great. Thank you for helping me out. If you want to tag along, we still have space for new party members. No? Oh, too bad. Anyway, Amazon Royal Leah, nevertheless, thanks for your help. On lui a donné un nom pour une partie de JDR. Voilà, on lui a donné notre nom. Oh. Oui, non. D'accord, il boit du jus de cactus, très bien. Ah, deux coffres ici. Et oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Oh oui. C'est quoi? C'est une fusée. Quelqu'un a écrit miaou, je suis un chat sur son fuselage. D'accord. Zéro respect pour la technologie, visiblement. Ah oui, je peux passer. Perdu. Oui. Ah. Non. Non. Billy. D'accord. Ok, j'ai vu le coffre. Trop tôt. Trop tôt. Oui. Non. Ah, presque. Non. Non, j'étais sur le capot, ouais. Allez, non, beaucoup trop tôt. Non, évidemment. Oui, j'ai le coffre. C'est quoi? Des émeraudes, très bien. Bonjour. Où est le deuxième? Ah, ça fait du bien de plus entendre les bruits de voiture là. Il est où? Pourquoi elle parle de conclusion elle? Sorry, I can't really talk. What? I'm writing a thesis on the Raritan Gem. You know the planet this game's played on. So yes, yeah, stranger, maybe another time. Oh, donc elle écrit quelque chose sur la planète où ils ont fait crossword. Attends. Sur la planète où... Oui, c'est ça, sur la... Sur la planète où ils ont fabri... où ils ont mis Crossworld. Comment j'accède probablement par ici. Et... Non.
C'est plus facile quand tu vois la voiture arriver, je pense. Oui. Non. Voilà. Des rubis, très bien. Ah, je pouvais juste passer par là en fait. Alors, ici, il y a un coffre qu'on n'a pas chopé, visiblement. Ah oui, je le vois. Ok, facile. Je sais exactement comment on l'atteint. Hein. Et voilà. C'était facile. Du diamant, bah putain, il y en a des joyaux pour faire de l'équipement. Voyons un peu ça. J'ai trouvé 5 des 8 coffres. Il m'en reste 3 à trouver donc. Très bien. Alors ici, oui, je le vois, il est juste là. Comment j'accède à celui-là? Bah comme ça. Ah! Alors ceci va être légèrement problématique du coup. Voilà. Oh non! Oh non, faut partir à du café et tout là. Oh, c'est casse-couille. Et ah! Oh là là, le truc chiant. Oui, je sais qu'il y a un coffre. Je le cherche, justement. Du con. Jeu de mes couilles. Ici, zéro coffre, visiblement. Non, c'est pas par là, c'est ici, voilà. Non, je suis mort. C'est bon. Ouf. Non. Moi je voulais parler au robot du guide du voyageur galactique. Enfin je crois que c'est lui, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a eu un film qui a été fait et il ressemblait à ça. Oui, je peux lui parler. Oui. Alors, une peinture est une mémoire qui ne s'éteint jamais. Actually, paint does fade away with time. Tony, please. Citron qui est pas d'accord avec ce que dit le robot. Attends, j'ai une question là, je me demande. Si je lui reparle, ça recommence ou pas? Oui! Alors.
est-ce que je peux avoir des interactions différentes? Genre, ouais, pour maintenant, voilà. Je suis sûr Johan et Citron, ils ont une alchimie particulière. Oh, le nul. Niveau 53. Qu'est-ce que ça dit? Blablabla, blablabla, oui. Et... Ah bah d'accord, ils ont zéro interaction bizarre. D'accord, très bien. Ben, niquez vos mères. Attends, est-ce que par hasard... Voilà, on les enlève. Je vais pas les faire parler à chaque fois parce que j'ai pas que ça à foutre. Est-ce que... D'accord, non mais d'accord, il y a que... D'accord, il y a que... Ok. En fait, le jeu a vraiment pas été calculé. Quoique... Ah mais d'accord, donc en fait, les gens qui veulent jouer avec Apollo et Yorn, ils se font pisser dessus par le jeu, en fait. Peut-être que c'est une volonté d'orienter un peu les relations de Léa, du coup. J'en sais rien du tout. Voilà, du coup. Oui, c'est bon, voilà, par ici. Voilà, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ça parle de plantes, visiblement. On passe à travers les parasols. Putain, parce que... C'est ça, c'est chiant. Du coup, je sais pas ce que c'est, ce robot. Ah, je me disais bien aussi. Ah, si on passe à travers les parasols. Ah, c'est pas pratique, ça. Tu me diras, ça m'aide pas beaucoup plus de savoir arriver en haut, puisque je sais pas par où aller ensuite. Donc, est-ce que c'est des admins, eux? Il était pas habillé comme ça, Baxton? Ouais, si, c'est ça, hein. C'est des Baxton. Est-ce qu'il y a juste un modèle d'avatar pour les admins? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été engagés pour juste être des plantons, mais genre dans le jeu? Est-ce que c'est pas le pire métier du monde? Genre ton métier c'est d'être dans un jeu, mais tu fais rien. Genre tu restes immobile. Mais si, mais je sais, mais je suis trop con. Voilà à quoi ça sert. C'est Limi. Voilà, à partir de là, tu passes. Qu'est-ce que j'ai? Very large amber. À quoi ça sert? Déjà, c'est quoi ça?
Right and Gem, le nom donné à la lune sur laquelle on a construit Crossworld, ouais, c'est ça. À ne pas confondre avec le nom de la planète en jeu que l'on appelle Shadoon. 12 000 km de diamètre. Couverte d'eau avec juste un gros continent. Quelqu'un pense qu'avant il y avait plus de continents mais que les océans ont monté. Malgré son orbite autour d'une géante gazeuse, sa position unique dans le système rend son air respirable et sa température assez stable pour être une planète hospitalière. Ou du moins c'est ce que les gens pensent. Bah, étant donné qu'il y a des techniciens comme Jet et son équipage qui bossent réellement dessus, je pense que c'est pas forcément éloigné de la réalité. Et du coup, inventaire... Radiant Key, Disc of Insight... Starship, Guild Press, Marito, Shanyol, Dragon Pro, Dojo Kim, Awo, Natsun Gaia... Legend, c'est ça. Under the Blacksmith of Relative. Ok, ça a été effacé, on sait pas qui. Et ici sont les deux derniers coffres, très bien, et bien je crois qu'on sait où ils sont. Donc là on a la maison de Vestorovic. Ah, je peux retourner le voir. Genre. Trop bien. Enfin, par contre, il est pas là. Hein. C'est des têtes d'animaux, ça. Donc, plus que le mec, c'est genre, il a des caméras de surveillance. Il regarde, il fait... Bah tiens, elle est venue, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu foutre? Alors là, j'ai complètement oublié comment on arrive ici. En montant là-haut, peut-être. Sûrement. Je crois qu'il y a une quête liée à ce vieux. C'est qui? C'est censé être qui? C'est censé être Gandhi. Est-ce qu'il a un skin particulier? Non, il a pas de skin particulier. Très bien. C'est comme Shikamaru. C'est-à-dire, il ressemble à quelqu'un, mais pas quand tu lui parles. Non, je suis tombé. Non, pas par là. Oui. Ah ah. Et normalement, à partir de là... Ouais, voilà. Alors, Antique Token, ça tombe bien. Et on remonte par là. Voilà. Normalement, l'autre, ça doit être de l'autre côté. De quoi à le. Ah, Mitsuketa. Est-ce que je peux pas, genre, juste faire le tour? No, I can't. Bah voilà. Il suffisait de faire ça. Moonstone. Ok, normalement j'ai tous les coffres de... Ah, j'ai tous les coffres d'ici, très bien. Maintenant on va aller faire les coffres de Bassin Keep. Il me semble qu'il y en a des il y en a qui sont intéressants. Bouge. Alors, d'abord, j'allais faire un tour. Un tour au Commercial District.
pour voir si j'ai pas débloqué un peu des éléments pour faire certains trucs. C'est pas très folichon ce qu'il propose comme équipement, hein. Ah! Ah, ça m'intéresse. Vas-y, je veux. Équipement. Voilà. Du coup, niveau mon équipement, il est au niveau 59 toujours. Ben, c'est à cause du casque, ça, mais... Lui, ça va peut-être pas mal, hein. Il me faut de la citrine et c'est chiant à farmer. Ah non! Pourquoi? Magma résidu. Magma laser create some metal. Magma laser. Monster fibula. C'est bien ce que je pensais. Alors là, vous voyez, je me pose une question. Imaginons. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Si je vais dans mon inventaire, j'active le Valley Booster qui booste tous les ennemis de Maroon Valley. Intéressant ça. Donc là c'est... Ah ça c'est l'arène, d'accord. Ah c'est pas si grand que ça en fait, Rondu Square. Et je me rends au temple de Fajro. Doit être là je crois. Ou Kierbor, merde. Ici là. Bakikoum. On va y aller à pied, hein. C'est quand même plus sympa. Oui, je sais, il y a un coffre dans le coin. Je m'en bats les couilles. Je te laisse activer juste parce que si je te désactive, il va falloir que je le réactive plus tard. Donc. Voilà, putain, il est beau. Hein. Dungeon time it is! See you again soon! En fait, je vais me faire chier si je passe par là. Welcome back! Ah non, je suis sorti! Ah le con! Ou alors je me rends un petit peu de ce coffre. Hein. Ah oui! Oui, ça augmente leur niveau! Bon, ça me rapporte quand même 0 XP. Mais... gueule. On va juste les ignorer.
Pourquoi est-ce qu'il y en avait des robots magma là? Les golems de feu, ils étaient où? Ça, agressez-moi si vous voulez, parce que j'en ai à branler. Vous pouvez bien essayer de me faire le cul. C'est plutôt moi qui vais finir par me faire le vôtre, mais... Eh, bouge pas dans les donjons! Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Là, il y a des moumouches. Merde, je suis trop con. Il y a combien de coffres que j'ai pas ici? C'est pas ce que je voulais faire. Très sûr, ça en fait pas mal, hein. Oui, c'est ça. Au revoir. Ah, putain, je suis con. Ah, parfait. Bonjour mesdames, permettez-moi de vous déranger 2 secondes. Ben, où est-ce qu'ils peuvent être? Aïe. Putain, faut pas faire clic droit. Et si on monte là, très bien. Effectivement, là, il y a un coffre. On voit, hein. Ah, fait chier. Magma résidu, parfait. Je crois que c'est ce qu'il nous fallait. Ah, finally outside. It's just way too gloomy in those dungeons. Pour toi. Oui! Voilà! Mon équipement niveau 61, c'est bien mieux là. Toi, je vais te revendre ce dont je ne me sers pas.
Voilà. Ah oui, je suis en mode glace, donc j'ai le giga bouclier, sa mère. Du coup, on voulait aller à Bas-Saint-Kip ensuite. On est où là? 30 minutes, ouais, ça va, on peut continuer un peu. Bas-Saint-Kip, donc. Oula, je vais modifier le cadrage, comme un glandu. Ah, il y a un coffre ici, il nous dit... Attends. Alors, je le vois. Un seul, très bien, c'est celui-ci. Oui, en fait, ça, comment on y accède? Par ici, par là... Ah, probablement par ce quartier-là, en fait. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a des coffres de l'autre côté? Oui, il y a un sac poubelle ici. Cool! Oh, c'est bon ça! Non, ici il y a zéro coffre, très bien. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a toute une partie qu'on n'a pas explorée ici. Il y a une raison à ça, et vous allez la comprendre. Mais comptez pas sur moi pour dire quoi que ce soit. Avant la situation, il faudra vraiment être débile pour rien avoir compris. Oui, j'aime bien cultiver le mystère, c'est comme ça que je suis. Voilà, trois coffres dans la zone. Et ce qui me dit... Sorry, Seeker, the market is closed up for your kind of folks. Unless you got yourself a pass, of course. D'accord, faut un pass. D'accord, il parlait de la pluie. Question qu'on a déjà explorée, nous, personnellement. Ça a marché. D'accord. Je sens qu'on va encore se faire embarquer dans des quêtes secondaires à la con. On peut se le permettre, hein, c'est pas grave. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Bonjour. This is a private party, Seeker. You better run off. Fast. Unless you get yourself a pass, of course. Encore? On est tellement tombé dans la partie criminelle de la ville, en vrai, regarde ça, c'est dégueulasse. Ce personnage me dit quelque chose. On va s'interroger plus tard. No littering. La ville n'est pas une poubelle, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Pas ici, probablement, qu'il faut descendre par là. Bon, bah, monsieur a une quête pour nous. Écoute, allons voir ça un peu. A seeker. Should I ask her? And guess she's as good as anyone, really. Well, here we go. Hey, you're looking to make some quick cash? My dad wants me to collect some goods for him from the infested jungle region. But I'm no fighter or collector. Don't know why he thinks this is a good entry trial too. So you're in or out, and you got all day. Oh, bah, 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 facile. Good, then let's get down to business. I need you to get me 10 venom shrooms and 5 glowing spears, gotcha? Good, good. Come back when you have them. And make it quick, you hear? Donc en gros, son père veut lui faire passer une espèce de redignisation. Il lui a donné la tâche de ramener du matos qu'on a sur nous. Et il a dit, fais vite, tu veux. Bah écoute, ce sera même instantané, voilà. Oh, it's you. You have finally got my goods. Well, about time, I might say, woman. Ça fait littéralement 5 secondes. Alright, that's all I need. Here's your cash. Nice knowing you, I guess. Cool. 7 XP. Oh là là, ça paye rien du tout. Et ben il s'est barré. Ah, j'ai entendu une porte. Il passait où?
De quoi ni il est ? Par là peut-être. Ah bah. You there, seeker. Blue health, fair woman, sir, hold. Double stealth of a woman are to look out for. Ah, we are to look out for. Ok, d'accord. J'ai pas compris. You fit the description. D'accord, le boss... Alors, son boss veut nous voir. You recently helped a certain make, right? Good. In that case, I must ask you to go down the stairs and meet the boss. No, he's not acceptable, I'm afraid. There's nothing you have to worry about. Please come with me. Waouh, c'est la mafia, en fait. Ah ouais, mais c'est le parrain. Mais lol. Mais lol. Ah, c'est vraiment encore Léon. Énorme. Est-ce que je peux... Je vais mettre la musique du parrain, c'est sûr. Welcome, Seeker. Excuse the rather rude invitation. I assure you there is nothing for you to be afraid of. In fact, I invited you here to thank you. My men tell me you helped my boy here, gathering precious resources from the perilous infested parts of the jungle. A great feat, I might say, even when he was to gather them himself. Ah, come on, Dad. I did it all by myself, I swear. Shut it, boy. It is bad enough you have brought shame on yourself and the family. But quiet now. Now, Seeker, what you did for my son showed me you have a great potential. Potential that we could use for a little problem. You see, our family runs a business that is vital to the humble part of the city. Many citizens require the processed substance procured from mushrooms found in the infested jungle. Wow! Donc là, on a Corleone qui nous explique qu'il est con, que c'est bien qu'on ait aidé son fils, parce que même s'il devait faire le truc par lui-même, ça prouve qu'on a des compétences qui lui sont utiles. Et ensuite, il nous dit que il est en train il gère un business essentiel dans cette partie de la ville, donc dans la partie droite, on va dire. Et que beaucoup de citoyens de cet endroit ont besoin d'une substance extraite de champignons trouvés dans la jungle infestée. Donc... J'ai légèrement l'impression que c'est un trafic de champignons hallucinogènes, si tu veux. Vu qu'on a la putain de mafia de Corleone devant nous là. The health concerns of my people are just as important to me as the ones of my own family. We sell this medicine for cheap, thanks to our own trading route. But let us say that this route is not official. Recently, the High Trader Council breached a route which led to an obvious shortage of medicine for our poor people. Guards now patrol part of the route. Finding another route would just bring more guards on us eventually, so another short solution must be found. And with you, I think we might just have found one. Your seeker skills should allow you to find path when no more before, am I not right? Yes, I think so too. Now, what if instead of trying to find a new route, we smuggle the goods past the guards? The fine guards would do the honest work, and we would do ours. No one gets hurt. Of course, this favor would not come without reward. I'm sure you already noticed that outsiders are not allowed to enter our trade hubs in hairpin slums. Oh, d'accord, ils sont dans les...
Ils sont, c'est le donc ça s'appelle le gâteau du le gâteau de l'étang en gros. If you agree to help us, I will personally grant you a pass allowing your entrance to our trade hubs. So, what do you say? Are you willing to help us in this most desperate of times? Bah, écoute, j'ai pas de raison de refuser. Oh! Splendid! Now, the trading route I spoke of runs below the city, starting right here in the basement and going all the way to the infested jungle. I want you and my son to go to the infested jungle entrance and find a way past the gods. What? I had to go with her? You will do as I say. Do you understand? Yes, sir. Meet my son at Lost Lookout in the infested jungle. He knows the secret entrance. He will give you a special chip which allows us to track the path you took. So don't worry about jotting everything down. Off you go then, for the good of the people. Donc en gros, il expliquait que... Putain, je me suis niqué la gorge en faisant sa voix. J'imagine que c'est là que ça arrive, le chemin secret. Ouais, c'est ça. Donc, il nous expliquait que, en fait... La police a niqué sa voie secrète pour introduire les champignons hallucinogènes. C'est un peu fort la musique. Attends. Voilà, c'est mieux. Alors, un cran en dessous de son, enfin les boutons, voilà, parfait. Du coup, Infested Marches, Peridot, Troll Timber, Rising, Clanging, Chief's Den, Lost Cookout. Et du coup, on doit l'aider à trouver un chemin pour sneaker les gardes, pour passer dans le dos des gardes, plutôt que d'ouvrir une nouvelle route parce que ça ferait chier, genre les gens reviendraient et tout. Les gardes reviendraient et tout. Plutôt que de faire ça, on va juste trouver un moyen de les passer. Voilà. Et comme ça, les gardes ils font leur boulot et eux ils peuvent revendre les champignons pour pas cher. Voilà. Niquez-vous! Inventaire. On va désactiver les boosters, ils ne servent à rien. Ah, finally you're here. Another minute is... in this infested maze, and I would have died of boredom. Pff, le mec est là, eh bah putain, t'as pas fait vite, encore une minute et je mourrais d'ennui. Now come on, let's get this over with, and stay out of my way, capiche? Ah oui, d'accord. Follow me. Ah oui, tranquille. Mon dieu, another instance. Will they let us... Putain. Mon dieu, another instance. Will they get a... Will they let us do any quest together or what? I heard this cave. Way too gloomy and wet. Ruins my suit, you know? Le mec, il se plaint parce que ça ruine son costume d'être dans la grotte, quoi. Yeah, never assume you'd understand. We're almost there, just down this way. A
Effectivement. All right, here we go. This is the part of Cavern, that got breached by those darn guards. Effectivement, il y en a partout. Here, take the chip. Ah yes, le truc. Donc oui, là, il vient de me donner un traceur pour suivre mes mouvements. Once I move the box here, the chip will start tracking your movement. Your goal is to find a way to the exit south of here without a car noticing you. Talk to me when you're ready, capiche? And be prepared, because I won't let you go until you're done, woman. Oh, donc on peut pas abandonner la quête tant qu'on n'a pas réussi. Oh wait, before my dad yells at me again. Here's a smoke away and some intel on the guards our man found. D'accord. Use the smoker when you get killed. You'll be able to run back here and I close the box. Got it? Good. Ready when you are. Ok. 46 minutes, ça fait un bon épisode. Écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Moi, je vous laisse là. C'était Loulou. Salut!